Bien. Chers collègues, je propose d'ouvrir cette séance et tout d'abord d'excuser Mesdames Désir Bakounine-Kops et M. Magdalen. Avant de commencer cette séance, je voudrais qu'on accueille, je suis dans l'Assemblée, nos amis de la commune d'Aït-Zineb, avec laquelle nous sommes en partenariat depuis 2007, et accueillir tout particulièrement M. Mimouni Abdelaziz, qui est président de la commission chargée de la programmation et des affaires financières de la commune d'Aït-Zineb, et M. Shakir Mohamed, qui est le coordinateur du programme pour la commune d'Aït-Zineb. Vous savez, chers collègues, à différentes reprises, on a présenté les réalisations, les objectifs du plan, du partenariat qui nous lie avec la commune d'Aït-Zineb. Vous savez aussi que cette commune a connu, comme d'autres d'ailleurs au Maroc, de terribles catastrophes. Et dans ce cadre, nous avons pu intervenir comme nous le pouvions, à la fois en sollicitant des aides, des dons venant des Auderghemois qui ont permis d'acheter notamment du chauffage à bois, mais aussi d'obtenir un subside pour l'achat d'un tractopelle. Et quand on a vu les images, on sait combien il était indispensable d'intervenir. Voilà, je voudrais, en votre nom, remercier de leur présence, pour ces quelques jours ici en Belgique et à Auderghem en particulier, ce soir au Conseil communal, M. Mimouni Abdelaziz et M. Shakir Mohamed. Nous abordons maintenant l'ordre du jour et tout d'abord le procès-verbal de la séance du 21 du 12 2023. Pas d'observation. Le deuxième point, c'est communication, la liste des marchés passés par procédure négociée. Le troisième point, encore une communication, c'est la liste des arrêtés adoptés par Madame la Bourgmestre. Enfin, une autre communication, c'est la délégation du contre-saint du secrétaire communal à certaines collaborateurs ou collaboratrices. Le point 5, c'est une ratification, prenons acte du projet de fusion de l'ERIP avec l'Académie régionale de police de Bruxelles, comme qu'il n'y a pas de problème. Le sixième point, c'est le projet WIPULS, c'est la convention en exécution de l'ordonnance du 8 avril 93, qui nous permet d'ailleurs d'obtenir des subventions de l'ordre de 377 940. Le septième point encore pour WIPULS, une convention d'exécution de l'ordonnance du 8 avril qui nous permet là d'obtenir une subvention de 143 338,96 €. Je présume qu'il n'y a pas d'objection. Au point 8, nous devons approuver les comptes de l'ASBL Senior Auderghem de l'exercice 2022. Pas d'objection, merci. Alors ici, au neuvième point, nous pensions devoir retirer la demande d'introduction d'une requête en intervention suite au recours en annulation. Mais comme nous n'avons pas reçu d'avis formel de l'administration, nous n'avons pas encore la certitude absolue qu'il y a eu un retrait de permis qui fait que, évidemment, s'il y a un retrait de permis, il n'y a pas de recours à l'intervention, mais peut-être que tout ça va se décider demain ou la semaine prochaine. Mais en attendant, donc, nous maintenons évidemment le vote sur cette requête en intervention suite au recours en annulation. Je propose. Oui, monsieur Gatry. Je voulais savoir si cette demande de recours occasionne des frais financiers pour la commune.
tous les recours, évidemment, introduisent c'est des frais, ça. Est-ce qu'on ne peut pas donc reporter tout simplement ce point avant de pouvoir... Il y a des délais. Puisqu'on a quand même deux courriers... Ils ont déjà été exposés de toute façon. On a quand même deux courriers d'avocats qui disent que la cliente, à savoir l'école flamande, renonce définitivement et irrévocablement au bénéfice de ce permis d'urbanisme. La commune n'a reçu aucune notification officielle et M. Lefebvre a été en contact, il peut me compléter, jusque fin d'après-midi avec Urban, qui n'a rien reçu. M. Lefebvre, vous pouvez me compléter? Bon, c'est exact. J'ai eu au téléphone en fin d'après-midi la fonctionnaire déléguée en charge des permis délivrés aux écoles, celle qui avait rédigé le permis délivré à Go Underways. Et malgré tous ces efforts pour contacter Go Underways, suite au fait que nous avions eu connaissance de ce courrier adressé au Conseil d'État, nos services communaux avaient prévenu déjà il y a deux jours, cette fonctionnaire, mais elle m'a confirmé aujourd'hui, vers 16h30, qu'elle n'avait pu avoir un contact avec Go Underways et aucune confirmation par rapport au retrait de ce permis. Et donc, il ne suffit pas d'écrire qu'on a l'intention de retirer le permis, encore faut-il poser l'acte qui convient. La demande de permis a été déposée chez Urban, instruite par Urban. Si on veut clairement retirer cette demande de permis, il faut s'adresser à Urban dans les formes qui sont prescrites. Monsieur Gretry, oui. Excusez-moi, oui. J'ai donc un document ici qui atteste que le 31 janvier, ils ont bel et bien déposé au Conseil d'État, au greffe du Conseil d'État, le document en question qui annulerait cette demande de permis. Monsieur Gretry, nous avons la même lettre, voilà, qui est une lettre d'avocat adressée au Conseil d'État. Oui. La commune d'Auderghem n'a rien reçu du tout. Ok. Mais si vous êtes absolument sûr de ce que vous dites, ça ne pose aucun problème de le voter. Mascarenhas. Est-ce que dans l'intervalle, évidemment, ne sachant pas ce qui va peut-être arriver demain, nous aimerions pouvoir voter sur ce point? Parce que nous trouvons cette demande très surprenante depuis le début. Il s'agit quand même de l'extension d'une école. Ça, à un moment où le nombre d'habitants est en augmentation et forcément le nombre de besoins en termes d'infrastructures, notamment scolaires, est également en augmentation. Alors, nous ne comprenons pas très bien cette demande. Sauf si on va comprendre qu'on adhère à des intérêts particuliers, un phénomène NIMBY, etc. Et alors l'autre chose qui me met mal à l'aise, je l'avais déjà dit plusieurs fois, notamment en commission, c'est qu'il s'agit d'une école de l'enseignement des langues, et j'espère que ça n'a aucun rapport. Et donc pour ces raisons, j'aimerais bien qu'on puisse voter sur ce point. Monsieur Lefebvre, peut-être rappeler un peu les raisons de la position de la commune. Tout d'abord... Il n'y a évidemment aucune opposition en ce qui nous concerne par rapport à la réponse à apporter à des besoins pour des écoles néerlandophones. J'en veux pour preuve que tout dernièrement, nous avons émis un avis favorable avec des conditions tout à fait compréhensibles par rapport à une extension du collège Lutgardis ici à côté. Donc ça, ne nous faites pas ce procès-là, ce n'est pas possible. Par contre... L'école Statmus occupe trois sites sur le territoire de la commune, dont un au boulevard des Invalides. Le ministre qui a la tutelle sur Go Underways indique qu'il va déplacer les élèves de l'école du boulevard des Invalides vers l'école de l'avenue Henri de Brouckère. Ce faisant, quand on l'interroge pour lui dire « mais qu'allez-vous faire du site boulevard des Invalides », on ne reçoit pas de réponse. Ça, c'est un manque total de transparence et de collaboration avec la commune. Contrairement au Lutgardis Collège, où on s'est vu à plusieurs reprises pour définir les conditions dans lesquelles tout cela était possible. Mais l'élément essentiel, ce n'est pas encore ça, parce qu'on est pro dans la manière dont on aborde les choses. L'élément essentiel, c'est que le projet Avenue de Brouckère comporte des dérogations dont on ne comprend pas comment il est possible pour la région de les octroyer. Ce sont des dérogations extrêmement importantes sur des situations que la région, partout ailleurs dans la commune d'Auderghem, rejette pour tous les citoyens, pour tous les promoteurs, pour tous les demandeurs de permis.
Alors, je vais en citer une. Par exemple, implanter un parking important en intérieur d'îlot, derrière des habitations de l'avenue Louis-Berlaimont. Rien que celle-là. Par exemple, et je vais m'arrêter là, construire un bâtiment qui, en profondeur, présente un développement incroyable par rapport au bâtiment voisin. Voilà, je ne vois pas comment on peut motiver ça. Meilleure preuve qu'on est dans notre droit en disant cela, c'est que les recours antérieurs ont conduit à la suspension du permis. Je voudrais vous dire aussi que nonobstant la suspension du permis, il y a des containers qui ont été installés par l'école alors qu'ils n'y ont plus le droit. Voilà, on a vraiment de bonnes raisons si on ne réagit pas dans ce cas-là, on ne serait pas équitable par rapport à tous les demandeurs de permis qui s'adressent à nous. Et je voudrais juste compléter par rapport à la mobilité. Donc, j'étais échevine de la mobilité quand on a eu connaissance de ce projet pour la première fois. On a véritablement eu des craintes par rapport à la mobilité dans le quartier puisqu'il s'agit pratiquement de doubler la population scolaire. Et aucune réponse satisfaisante n'a non plus été apportée à ce niveau-là. Voilà. Je pense qu'il y a eu des échanges d'informations. Nous allons passer au vote. Ceux qui sont pour l'introduction de cette requête en intervention, lèvent la main. Voilà. Les preuves contraires, ceux qui sont contre. Les abstentions. Très bien. Donc, passer au point suivant. C'est le règlement du concours Objectif commune 2024 sur le thème architecture et patrimoine d'Auderghem. Pas de souci. Le 11e point, c'est le règlement communal relatif à l'octroi de la prime pour l'achat d'une compostière. Pas de souci. Le 12e point, c'est la convention relative à la subvention visant à promouvoir l'utilisation de linge lavable en crèche communale. Pas de souci. La convention, là, vous avez reçu des échanges de mille, une petite modification qui met à notre charge des impôts que nous devons ne pas payer puisque c'est un usage public, mais soit, c'est une petite modification dont vous avez reçu copie. Dans le cadre de la convention de mise à disposition d'un espace pour la création d'un cimetière pour animaux entre la société en bord de Soigne et la commune d'Auderghem. Oui, j'aurais simplement voulu savoir pourquoi ce changement-là si tardif, si c'est une erreur dans la convention de base, si c'est un changement d'avis tardif dans bord de Soigne. Et deuxième question, qu'est-ce que ça représente financièrement, en fait, cette taxe pour la commune? Merci. Ouais, je vous ai dit, c'est à la demande de bord de Soigne qu'ils ont fait le changement en dernière minute. Et il n'y aura pas d'impôt puisque c'est à usage public et c'est la commune d'Auderghem, donc il n'y aura pas. Mais c'est au cas où, c'est une clause. Et s'il devait y avoir, excusez-moi, ce sont des cacahuètes. Ça va? Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Le point 14, c'est la fixation des loyers de base des emplacements de parking situés au sous-sol de l'immeuble avenue Jean Van Halen 11. Okay. Le 15e point, c'est les engagements du Conseil concernant une demande de subsides URE pour le remplacement des châssis au centre scolaire du Souverain. D'accord. Le 16, c'est aussi les engagements du Conseil concernant la demande de subsides URE pour le remplacement des toitures plates au centre scolaire du Souverain. D'accord. Le 17e point, vous avez aussi reçu des modifications suite à des demandes de correction de la tutelle concernant la rénovation de l'éclairage du centre culturel d'Auderghem. Donc, nous votons sur le nouveau texte que vous avez reçu. D'accord ? Merci. Nous abordons donc la question orale de M. Lubovi of Meneer van Ginegen concernant l'opération Tous à l'eau, Iedereen het water in. Monsieur Lobby, oui. Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames les Échevines et Messieurs les Échevins, chers collègues, faire construire une piscine communale à Auderghem n'est financièrement pas envisageable actuellement, mais ça n'empêche pas les Auderghemois et Auderghemoises de pouvoir bénéficier des piscines dans les communes avoisinantes.
en 2023, pour la première année, a eu l'action Tous à l'eau. Cette action permettait un remboursement partiel d'un abonnement annuel ou d'une carte de 10 entrées dans une piscine bruxelloise, communale bruxelloise. Un encouragement financier pour les Auderghemmoises et les Auderghemmois à faire de la natation, un sport qui peut être pratiqué par un large public. Nos questions sont les suivantes. Quel a été le succès de l'action pour l'année 2023? L'action sera-t-elle renouvelée en 2024? Avez-vous des statistiques sur les différentes piscines fréquentées? Nous vous remercions de votre attention. Merci, Madame Leschwin. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'action Tous à l'eau de cet été a effectivement été un succès, à un tel point que le service des sports a été submergé par les interpellations des Auderghemmois qui ont réagi directement après que nous ayons communiqué. Le service et moi-même avons reçu beaucoup de retours positifs et constructifs de la part des citoyens. Le gestionnaire de la piscine de la VUB m'a également écrit pour nous remercier de cette action car il a constaté une augmentation du nombre d'Auderghemmois fréquentant la piscine et qui lui précisait que c'était grâce au chèque piscine de la commune d'Auderghem. Bon, il est vrai que la piscine de la VUB n'était pas incluse dans le règlement de cet été, mais elle est bien désormais suite aux nombreuses demandes qui nous sont parvenues. Au total, nous avons délivré 319 chèques piscine. L'enveloppe budgétaire a été épuisée et nous avons même dû opérer une modification budgétaire pour pouvoir répondre aux dernières demandes. Et il a fallu aussi, hélas, refuser des demandes qui nous parvenaient encore bien après la période définie par l'action. Et le constat est donc clair. L'objectif d'inciter à la pratique sportive et de promouvoir ce sport qui reste accessible à tous, hein, vous l'avez dit, et ben cet objectif a été largement atteint et d'ailleurs nous n'avons pas encore communiqué que nous recevons déjà des demandes pour cette année. Et au vu de ce succès, et bien je suis donc ravie de pouvoir annoncer que les chèques piscine deviennent désormais annuels, mais cela vous le saviez déjà puisque nous avons tous voté le budget 2024 et le règlement Tous à l'eau lors du conseil communal de décembre. Et le principe reste le même, tout citoyen auderghemmois peut introduire sa demande du 1er janvier au 31 décembre. Et un chèque par personne est valable pour toutes les piscines bruxelloises communales et universitaires, d'une valeur de 65 € pour un abonnement annuel, de 12 € pour une carte 10 entrées et de 32,50 € pour les abonnements 6 mois. Et cette dernière option a été ajoutée aussi suite au retour et aux demandes de la part des Auderghemmois. Et grâce aux statistiques que nous avons tenues, nous pouvons effectivement classer les piscines communales les plus fréquentées de nos Auderghemmois. Alors en 1, sans surprise, nous avons le Calypso à Watermael-Boisfort avec 162 chèques délivrés. En 2, nous avons l'Espadon à Etterbeek avec 60 chèques délivrés. En 3, Sport City à Woluwe-Saint-Pierre, 57 chèques délivrés. En 4e position, nous avons le Poseidon à Woluwe-Saint-Lambert, 31 chèques délivrés. En 5, Longchamp à Uccle, 5 chèques délivrés. Nous avons ensuite 2 chèques qui ont été délivrés au Neptunium à Schaerbeek, 1 chèque au Bain de Bruxelles et 1 chèque à Molenbeek-Saint-Jean et leur piscine Louis Namèche. Et à savoir aussi que lors du lancement du projet pilote, nous avions émis l'hypothèse de cadenasser la délivrance de ces chèques qu'aux piscines les plus fréquentées. Mais après analyse de cet été test, nous avons décidé de laisser cette opportunité pour toutes les piscines communales et universitaires bruxelloises afin de ne pénaliser aucun Auderghemmois. Et je prends tout simplement l'exemple d'un Auderghemmois qui travaille dans le nord de la capitale et qui a pour habitude de nager sur son temps de midi, comme c'est le cas de beaucoup, de pratiquer une activité sportive sur ses temps de pause, eh bien, il pourra lui aussi bénéficier d'un chèque piscine, et donc personne n'est discriminé dans cette action. Donc voilà, pour le bilan Tous à l'eau, eh bien, il n'y a plus qu'à aller nager. Monsieur Lubovy, vous avez... Je vous remercie pour votre réponse complète. Vous avez une question complémentaire? Oui, une petite question, simplement, la piscine de la VUB n'étant pas une piscine communale, ne pourrait pas être reprise dans le lot. C'est ce qu'on vient de dire. J'ai pas entendu. Ça a été dit deux fois, je crois. Ah ben, j'ai pas entendu. Je vais mettre. Ah oui, 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 oui. C'est large, monsieur Crétin. C'est large, oui, je sais. À qui le dites-vous? Alors, moi, je l'avais entendu. Le point suivant, c'est une question de madame Poulissen concernant la maille champ d'oiseau. Il y a aussi une question de monsieur Grétry ou de madame Marie-Pierre Bowens, mais tout d'abord, madame Poulissen, vous avez la parole. Monsieur le Président, madame la bourgmestre, chers collègues,
Le 29 janvier dernier s'est tenue une réunion d'information à destination des riverains d'Auderghem et de Woluwe-Saint-Pierre afin de présenter le diagnostic et l'étude de mobilité dans le cadre du projet de quartier apaisé Champs d'Oiseaux. Cette séance a rencontré un vif succès vu le nombre de participants et de nombreuses interventions pertinentes ont pu être faites par les riverains. Mes questions sont simples. Pouvez-vous nous faire un point sur le processus, nous indiquer les principaux points d'attention évoqués justement lors de cette réunion ? De nouvelles réunions sont-elles prévues pour permettre éventuellement aux riverains qui n'ont pas pu y assister d'avoir quand même une présentation, éventuellement de poser des questions supplémentaires ? Les informations qui ont été diffusées seront-elles accessibles à tout un chacun ? Quelles sont à partir de maintenant les étapes suivantes et dans quel délai ? Vous avez aussi mentionné à de nombreuses reprises que rien ne serait décidé sans l'aval des riverains. Est-ce bien toujours votre intention ? Et comment sera organisée la suite de la participation citoyenne et comment les remarques sont-elles ou seront-elles prises aussi en compte dans le futur ? Je vous remercie. Merci Madame Polissen. Alors Monsieur Gretry ou Madame Bowens ? Ce sera Monsieur Gretry et Madame Polissen m'ôte les mots de la bouche. Si ce n'est que je voudrais ajouter deux petites choses. La première, c'est de savoir si la commune profitera de l'initiative locale relative à la sécurité routière, à savoir le projet All for Zero. C'est initié par le ministre de la Mobilité, Jean-Gilles Quinet, qui propose justement une amélioration au niveau mobilité et sécurité routière. Donc d'ajouter cela, grâce à cela, on pourrait déjà avoir certaines avancées. Et la deuxième question, c'est bien entendu surtout l'échéancier par rapport à la suite des événements et ce que nous pouvons attendre de ce projet. Merci. Merci, Monsieur Eschfein. Pilois. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, donc le 29 janvier dernier, c'est en effet tenu la première des deux réunions d'information à destination des riverains du quartier du Champ d'Oiseau sur le diagnostic de mobilité du quartier dans le cadre du projet de quartier apaisé Champ d'Oiseau dont la phase d'étude a commencé en 2022. La deuxième réunion d'information aura lieu ce lundi 12 février à Woluwe-Saint-Pierre. Ces deux réunions d'information sont donc les dernières étapes de la phase 1 du projet. Alors pour rappel, car nous avons déjà pu aborder à plusieurs reprises ce dossier au sein de ce conseil, la phase 1 visait à établir, avec l'aide du bureau d'études et des services de mobilité des deux communes, un diagnostic de la mobilité pour les réseaux piétons cyclables de transport public, automobile et poids lourd sur le quartier. Ce diagnostic a été enrichi par des constats de terrain via une enquête publique à laquelle plus de 1000 personnes ont participé et via des visites exploratoires avec près de 200 riverains du quartier. Nous assumons donc totalement notre engagement de consulter étroitement les riverains sur ce projet. Alors la présentation ici n'avait pas pour objectif de présenter un nouveau plan de circulation, mais uniquement de faire un état des lieux le plus objectif possible sur la situation de mobilité des espaces publics dans le quartier. Le diagnostic a permis par exemple de mettre en lumière plusieurs problèmes, des excès de vitesse avenue du Champ d'Oiseau, des espaces insuffisants pour le croisement des véhicules, des problèmes de trafic trop élevés ont été pointés à différents endroits, comme par exemple l'avenue du Couter, la rue du Bémel ou encore l'avenue des Paradisiers. C'est maintenant sur cette base que les bureaux d'études vont plancher sur l'élaboration de différents scénarios de modification du plan de circulation dans le quartier. Mais il ne s'agit pas de contraindre pour contraindre, mais voir ce qu'on pourra vraiment améliorer dans le quartier. Alors la soirée s'est déroulée dans une ambiance personnellement, que je trouve assez constructive et respectueuse. Chacun a pu s'exprimer et donner son avis ou faire des remarques complémentaires par rapport au diagnostic qui a été présenté. Et toutes ces remarques ont été consignées et seront bien évidemment prises en compte. Alors bien évidemment, il y avait des prises de parole qui allaient dans les deux sens. Soit il y avait des gens qui étaient totalement pour, soit il y avait des gens qui étaient contre, soit des gens qui voulaient des changements, mais pas trop de changements. Donc on avait vraiment un patchwork de réactions. Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, la commune tient vraiment à ce que la participation soit au cœur du projet. Donc, rien ne sera fait sans l'aval des riverains. Il n'y aura pas de changement pour le changement. Et on ne patriquera pas la politique du fait accompli. Les citoyens seront donc encore étroitement concertés tout le long des futures étapes, que ce soit par des ateliers, des visites exploratoires, des nouvelles enquêtes, des nouvelles réunions d'information. On n'a pas encore défini les modalités, vu qu'on n'a pas encore les prochaines étapes. Et donc, au niveau du calendrier, on attend maintenant que les bureaux d'études nous reviennent avec
en tout cas de la matière sur laquelle on va pouvoir continuer à travailler. L'ensemble de ce diagnostic sera disponible en ligne sur le site du projet une fois que la réunion d'information de Woluwe-Saint-Pierre sera terminée. Comme ça, tout le monde pourra encore avoir accès à cette présentation. Et alors enfin, sur la dernière question de l'initiative du ministre de la Mobilité fédérale, je n'ai pas connaissance de cette initiative, et ensuite, si jamais on doit s'y greffer, c'est les bureaux d'études qui nous diront que c'est une opportunité ou pas de le faire. À ce stade-ci, les bureaux d'études nous demandent très clairement de ne rien changer dans le quartier. Donc de ne pas changer le moindre sens de circulation, de ne pas mettre un sens unique, de ne pas changer des aménagements, parce qu'ils veulent pouvoir étudier les scénarios dans la situation existante, et ça ne sert à rien de changer aujourd'hui quelque chose qu'on devra peut-être changer demain, parce que le scénario aura fait. Donc aujourd'hui, on ne change rien en termes de mobilité dans le quartier. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Merci, Madame Poulyssen. Vous avez une question complémentaire ? Non, c'était très clair. Merci beaucoup. Monsieur Gretry, peut-être ? Oui, tout simplement pour remercier Monsieur Pilois de cette réponse. D'autre part, l'initiative dont je parlais, qui est du ministre de la Mobilité, de Monsieur Gélinet, elle touche essentiellement les ASBL, donc on pourrait envisager une sécurisation, par exemple, devant le gymnasium, devant des écoles et autres. C'est plus de l'ordre des associations de fête qui ne modifieront rien. Et d'autre part, soyons aussi attentifs au permis d'urbanisme. C'est là que je regarde Monsieur Lefebvre, pour ne pas avoir des projets tels que des doublements de population au niveau scolaire qui amèneraient effectivement beaucoup de soucis de mobilité, comme l'ont fait remarquer nos citoyens. Merci. Merci. Voilà. Nous avons maintenant la question de Madame Mascalc. Voilà, oui, vous, Mascalc, concernant l'avenir du projet immobilier sur les anciennes glaciers royales. Madame Mascalc, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins. Les trois communes concernées par le projet immobilier sur les anciennes glacières royales, Etterbeek, Ixelles et Auderghem, ont émis début janvier 2024 un avis défavorable à propos de ce projet. De son côté, la région de Bruxelles-Capitale, Urban Brussels, avait donné un avis favorable le 27 juillet 2023. Pour rappel, ce projet vise à construire 171 logements, 220 cotes et 3500 m2 de commerce sur le site des anciennes glacières royales. Nous nous interrogeons sur la stratégie relative à ce terrain compte tenu des éléments suivants. Le terrain est à l'abandon depuis plus de deux décennies. Il y a un manque d'hébergement d'étudiants à Bruxelles et selon l'organisation étudiante Briques et Perspectives Bruxelles, le manque actuel est de 9000 à 12000 cotes. Et d'ici 2030, on aura besoin de 20 000 à 55 000 cotes supplémentaires. Le prix du logement, tout le monde le sait, est globalement élevé à Bruxelles et risque de monter davantage si l'offre de logement ne s'accroît pas plus rapidement. La Chaussée-d'Ouvre a bien besoin d'une redynamisation à Auderghem. Alors nos questions sont les suivantes. Quelle est la vision de la commune d'Auderghem pour valoriser ce terrain après 20 ans de friche ? Le collège est-il conscient du problème de manque d'hébergement étudiant, que ce soit des étudiants francophones, néerlandophones ou anglophones d'ailleurs ? De quelle manière pourriez-vous relever ce défi en saisissant l'opportunité d'un terrain vide à côté de l'université ? Y a-t-il un projet pour redynamiser la Chaussée d'Ouvre et attirer davantage de commerce de qualité ? Je vous remercie. Merci. Monsieur Leschmann, vous avez la parole. Mesdames les conseillères communales, chers collègues, merci pour vos questions. Vous êtes bien gentils. 20 ans, c'est loin d'être assez long. Moi, je vais remonter aux années 70. Les années 70, où la VUB et l'ULB s'installaient sur l'ancienne plaine des manœuvres. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une loi qui fixait des quotas en fonction de logements étudiants, en fonction de la taille des étudiants. La VUB a disposé d'un arrêté royal permettant l'expropriation sur le quartier de la Chasse Royale, sur deux îlots en tout cas. Et en fait, cet arrêté n'a jamais été utilisé parce que la VUB a acquis progressivement bon nombre de maisons dans ce quartier en traitant de gré à gré avec les propriétaires. Une bonne part des logements acquis a été consacrée aux étudiants, aujourd'hui plutôt à des laboratoires et à des doctorants. Mais elle a quand même laissé, pendant des années, la VUB a laissé pourrir pas mal d'immeubles. Un point tel que du côté de la commune, dans les années 80 et les années 90, il y a eu beaucoup de discussions avec l'université
pour finalement se mettre d'accord sur le fait que la VUB allait aménager l'îlot dit Ancienne Glacière, à front du boulevard Général Jacques, du boulevard du Triomphe et de la Chaussée d'Ouvre, et allait céder progressivement, au fur et à mesure qu'elle n'en avait plus l'utilité, les maisons qu'elle avait acquises dans le deuxième îlot. In fine, ça s'est fait progressivement, et la commune, pour revitaliser ce quartier, a acquis ces maisons et les a rénovées. Donc ça, c'est un axe tout à fait important qui a été mené à ce moment-là et qui s'est doublé d'une chasse contre les marchands de sommeil qui, dans ce quartier, avaient profité de la décrépitude liée à l'abandon d'un certain nombre d'immeubles pour prospérer. Là aussi, il y a été mis fin. Alors, sur l'îlot concerné, ben, la VUB n'a rien entrepris. Rien. Au contraire, elle a fini par le céder à un propriétaire privé. Je suis occupé avec des demandes de permis sur ce terrain depuis 2007. Il y en a un permis qui a été délivré et il a été purgé de tout recours. Il s'agissait d'un projet de logement et d'hôtel sur ce terrain. Un projet qui avait fait l'objet de discussions, mais in fine, le permis délivré, qui a été attaqué par certains habitants, mais a été purgé de tout recours. In fine, ce projet ne s'est pas construit. Et le terrain a été cédé à un nouveau propriétaire, et celui-ci, par l'intermédiaire de promoteurs, a introduit plusieurs demandes de permis, visant à construire un ensemble d'immeubles qui sont composés de surfaces commerciales, de logements étudiants, d'un petit équipement collectif lié à la valorisation du site classé des anciennes glacières. Mais ces projets ont fait l'objet de remarques, et je ne vais pas vous les dire toutes, parce qu'elles ont été nombreuses. Ces remarques visaient principalement les gabarits excessifs, l'insuffisance d'espaces de pleine terre et de plantation dans le projet. Donc, la surface bâtie au sol était vraiment très importante. Or, on essaye aujourd'hui de faire en sorte que des intérieurs d'îlots qualitatifs se développent. Dernière étape du projet, en 2022 et 2023, enfin dernière jusqu'à ce jour, il y a eu une étude d'incidence. Cette occasion-là, la commune a eu l'occasion de mettre en avant ses remarques. Et des remarques que je vous ai déjà citées ici pour répondre aux remarques précédentes. Malgré que nous ayons été très clairs, eh bien, la région n'a pas suivi l'avis défavorable que la commune d'Auderghem a émis. Par contre, nous avons eu des discussions avec les communes d'Ixelles et d'Etterbeek, communes voisines qui étaient aussi potentiellement impactées par le projet. Celles-ci nous ont suivies. La région a émis un avis favorable, conditionnel sur le projet, mais les conditions étaient à ce point nombreuses. Je vous avoue ne pas comprendre comment on peut mettre un avis favorable avec de telles conditions. Les conditions étaient tellement nombreuses qu'il était impossible pour le propriétaire d'y répondre, en tout cas dans la perspective qui était la sienne à ce moment-là. C'est effectivement ce qui s'est passé. Le promoteur a dit « je ne m'en occupe plus ». Le propriétaire a rompu ses contacts avec le promoteur et il a décidé de reprendre le projet. Et donc, il va très certainement revenir nous retrouver avec de nouvelles réflexions pour essayer de répondre aux critiques que nous avons émises. Un projet comme ça, si important, qui nécessite une étude d'incidence, ça consomme beaucoup de moyens. Des moyens chez le promoteur, ce n'est pas nous, mais des moyens aussi à l'administration communale, qui semaine après semaine doit suivre ces multiples documents, participer à des réunions avec Perspective, avec Urban, avec Bruxelles Environnement, pour tenter de maintenir le projet dans les rails. Et donc, pour éviter de gaspiller tous ces moyens, le propriétaire a décidé de faire savoir qu'il allait introduire un projet modificatif.
ce qui ouvre un nouveau délai de 6 mois, au cours desquels il aura, je l'espère, l'occasion de se rendre compte de la signification de nos remarques, de prendre en compte les volontés des uns et des autres et de déposer un nouveau projet. Un nouveau projet qui sera bien évidemment soumis à une enquête publique, à une commission de concertation, et où je ne manquerai pas, comme je l'ai fait pour tous les projets précédents, de consulter les habitants dès que ce projet sera connu. Les intentions précises du demandeur, là, je ne les connais pas au stade actuel. En fait, on n'est pas opposé du tout à la construction sur ce terrain. On est ouvert à un projet de logement et de commerce, au rez-de-chaussée pour le commerce. On souhaite qu'il y ait des reculs à front du boulevard Général Jacques et de la chaussée de Wavre. Vous savez que la chaussée de Wavre est assez étroite à cet endroit. Et au carrefour avec le boulevard Général Jacques, c'est quand même un carrefour très, très dense. Et si on veut développer un projet à cet endroit-là, on pourrait retrouver aussi des plantations d'alignement. C'est vraiment l'occasion, quand on a un terrain nu, de pouvoir retrouver de l'espace pour l'espace public. Sur ce projet, bien sûr, on veut préserver la glacière, bien sûr, on veut la valoriser. Un petit équipement collectif ne ferait pas de tort. On pense par exemple à une crèche dans ce quartier, une crèche privée. Des logements étudiants le long de la chaussée de Wavre, pourquoi pas. Le long du col Reut, vous avez une frite qui a été préservée et qui pourrait utilement prolonger les bâtiments de logements étudiants qui sont situés le long de l'avenue Henri Scoff. Et en intérieur d'îlot, notre vision, c'est un vrai intérieur d'îlot en pleine terre, planté, un intérieur d'îlot qui sera agréable pour les habitants qui, demain, viendront habiter ce nouvel immeuble et qui pourra aussi apporter une respiration complémentaire dans le quartier de la Chasse Royale. On est conscient, bien sûr, des problèmes au niveau des hébergements étudiants. Mais je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que les universités, que ce soit l'ULB ou la VUB, possédaient de vastes terrains qu'elles ont vendus à des promoteurs privés qui y développent du logement sur le site même de la plaine des manœuvres. Ça me paraît totalement incompréhensible. Et avec des gabarits à propos desquels nous avons déjà entamé des actions. Par contre, à front du boulevard du Triomphe, cette fois-ci c'est la VUB, mais il y a d'autres projets aussi de l'ULB, où on est venu avec du logement étudiant sur le site de la plaine des manœuvres, avec des gabarits tout à fait compatibles, et nous les avons soutenus. Et d'ailleurs, ils ont été soutenus par les habitants également. Alors, la chaussée de Wavre, elle n'est plus ce qu'elle était après l'incendie de Cobelpa, après l'abandon des brasseries de la Chasse Royale. Mes prédécesseurs et moi-même, on a pendant 40 ans, on a agi pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Les deux seuls sites qu'il y a lieu encore, sur lesquels il y a lieu encore d'intervenir, c'est celui dont on vient de discuter, mais c'est aussi celui qui est compris entre la rue de la Stratégie, le boulevard du Triomphe et la chaussée de Wavre, le fameux projet Ouastra. Ce projet, un permis a été délivré. Il respecte le PPAS avec 2-3 petites dérogations vraiment tout à fait marginales. Les travaux ont débuté. Les démolitions sont en cours. Si vous passez par là, vous le verrez. Et nous souhaitons vraiment que ce projet se réalise. Néanmoins, actuellement, il y a 2 habitants qui ont introduit un recours au Conseil d'État à propos de ce projet. Nous mettons en contact ces habitants avec le développeur du projet. Nous n'avons de cesse de travailler pour essayer de les convaincre les uns et les autres, d'aboutir à une situation où on ne va pas rester demain avec un terrain nu le long de la chaussée de Wavre. On veut vraiment que ce projet se réalise. On est contacté très régulièrement par des habitants du quartier
qui disent très bien, on a décidé, nous maintenant, il faut qu'on avance. Je vous rappellerai que dans cet îlot, on avait des nuisances quand même importantes. Je parle de boîtes de nuit avec des comportements pas toujours adéquats, de champs de cannabis dans certains bâtiments, et tutti quanti, d'occupations illicites et autres. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Madame Ascalque. Merci beaucoup, monsieur Leschevin, pour cette réponse très complète, comme d'habitude. Et j'entends bien vos arguments par rapport aux implantations des logements étudiants. Nous, ce qui nous avait interpellés, c'était la réaction des riverains qui avaient été interviewés sur et le peu d'enthousiasme qu'ils avaient par rapport à l'installation de logements étudiants. Notre avis, et je pense que c'est votre avis aussi, c'est que c'est une chance d'être aussi près des universités et de pouvoir accueillir une population qui, certes, est particulière et c'est peut-être pas aussi facile à gérer que des familles qui viennent s'installer bien tranquillement. Mais je voulais mettre l'accent sur le fait que c'est aussi positif d'avoir ces populations jeunes et dynamiques qui viennent s'installer tout près de chez nous. Merci. Nous allons passer à la question suivante de Madame Mascalque, concernant les travaux de la rue des Pêcheries. Madame Mascalque, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, depuis plus d'un mois, les travaux de la rue des Pêcheries sont à l'arrêt. La circulation automobile a cependant été entravée par des barrières de béton, obligeant non seulement les automobilistes en transit, mais aussi les riverains à faire un détour significatif pour se rendre qui à Auderghem, qui à Watermael-Boisfort. Selon la communication reçue par les riverains, une partie de la chaussée ne serait actuellement pas assez solide pour supporter le trafic automobile et les travaux sont interrompus en attendant des conditions climatiques meilleures. Alors nos questions sont les suivantes. Si la chaussée n'est pas jugée suffisamment sécurisée et stable pour supporter le trafic de transit, elle est-elle réellement pour la circulation locale? La solidité du revêtement a-t-elle été examinée par des experts? Le tronçon entre l'avenue de Beaulieu et l'avenue du Gardon est-il le seul à être fragilisé? Sur quelle base la décision de couper la rue à cet endroit, donc avenue du Gardon, a-t-elle été prise? Est-ce en fonction des flux de circulation? Des dédommagements sont-ils prévus de la part de la part des prestataires, Vivaqua et autres, pour les retards des travaux? Et enfin, quand les travaux reprendront-ils et le calendrier global a-t-il été affecté par ce retard? Nous vous remercions. Merci. Réponse, monsieur Leschevin. Oui. Merci, monsieur le Président. Madame la conseillère, la question de la solidité de la voirie de la rue des Pêcheries, ce n'est pas une question nouvelle. Elle existe depuis le début du chantier. Elle a d'ailleurs été vérifiée avant même l'exécution des travaux de Vivaqua. Une campagne de sondage avait été réalisée par le laboratoire Labome au sang, sur laquelle le Centre de recherche routière, le CRR, nous avait donné son avis. Ces sondages nous avaient donc permis de mettre en évidence que la composition de la voirie correspond à un dimensionnement de route secondaire, de trafic faible à moyen, mais également que la fondation de la voirie était quasiment inexistante alors que nous sommes sur un marécage. Et donc c'est déjà là un sérieux problème. La rue des Pêcheries était donc tout à fait en mesure de supporter une circulation locale, juste pour les habitants, mais pas une circulation plus importante, comme elle le connaît malheureusement depuis la mise à sens unique du pont Fretter, un autre dossier sur lequel on a déjà eu l'occasion d'échanger dans ce conseil et qui n'est pas clôturé. Ces informations ont d'ailleurs été transmises avant les travaux du Vivaqua aux riverains, lors d'une réunion d'information et sur le site de la commune. Donc il n'y a rien de caché, on a toujours été transparent par rapport à la situation de la rue. Les travaux réalisés par Vivaqua dans la rue des Pêcheries suivent les prescriptions du CRR en ce qui concerne les rebouchages de leurs ouvertures. Et donc, suite en fait à ces rebouchages, la rue va comporter ce qu'on appelle des points durs, qui correspondent aux parties réparées sur lesquelles on a remis un peu d'asphalte lorsqu'on a creusé. Et donc, ouvrir cette voirie dans l'état actuel de patchwork entre des points durs, des points mous, etc., à des véhicules lourds et de transit, constituait un risque pour la stabilité totale de la voirie. Et donc, on allait potentiellement se retrouver face à un effondrement de voirie qui aurait de toute façon alors coupé la circulation, vu qu'on n'aurait plus su passer. Parce que lorsqu'on a un véhicule lourd qui passe d'un point dur à un point mou, ça peut causer des dégradations supplémentaires à la voirie sous l'effet de la charge. Et toute la rue est concernée par cette problématique. D'autre part,
Les réparations réalisées dans la rue des Pêcheries créent de nombreuses discontinuités dans le revêtement. Donc lorsqu'un véhicule lourd passe sur ces bosses, ça occasionne des vibrations qui sont ressenties jusque dans les habitations. C'était d'ailleurs une plainte récurrente de nombreux riverains avant même le début des travaux de Vivacqua, qui avaient des fissures qui naissaient dans leurs habitations. Donc c'était un risque également pour les riverains d'empirer des fissures dans les habitations si on rouvrait la circulation. Donc il n'était pas question pour les communes, je rappelle donc que la rue est à 50% sur Watermael-Boisfort aussi et qu'on a tout fait en concertation, de laisser la circulation reprendre comme si finalement de rien n'était et de potentiellement se retrouver avec un effondrement de voirie ou des fissures encore plus graves dans les habitations. La sécurité prime avant tout sur tout le reste. Je suppose que vous partagez bien évidemment ce principe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a été donc forcé de mettre en place une situation temporaire, c'est celle qui est là aujourd'hui, en fermant la rue, car on n'a pas pu démarrer le chantier de refondation et de réasphaltage de la rue directement après les travaux de Vivacqua. Le retard n'est pas spécialement lié à un retard de Vivacqua, ils ont pris un tout petit peu de retard, mais pas beaucoup. Le retard est lié surtout à l'obtention d'un permis d'urbanisme pour la réfection de la voirie. Initialement, il n'était pas prévu. Et puis, on nous a fait savoir qu'il fallait un permis d'urbanisme juste pour la voirie, parce qu'on recreusait en dessous de 20 cm de profondeur. Quand on fait une fondation, on est d'office en dessous de 20 cm de profondeur. C'est mieux quand même. Donc, ce retard nous a empêchés de confirmer la commande de la réfection de la voirie à Vivacqua. Une fois qu'on a reçu la confirmation de l'obtention du permis d'urbanisme, pour cause de sécurité, ils nous l'ont octroyé en 75 jours. Il était trop tard pour que Vivacqua puisse organiser et réaliser les travaux de réfection de la voirie en 2023, comme initialement prévu. Il a ensuite été décidé de commun accord avec Watermael de retarder en fait l'ensemble du chantier après la période hivernale pour éviter les périodes de trop fortes intempéries, mais aussi parce que les usines de béton sont en fait fermées jusqu'à la fin février. Donc on n'aurait pas su avoir de l'asphalte pendant le mois de décembre et le mois de janvier. Et puis, on a bien connu le chantier Chaussée d'Oivre qui a été souvent à l'arrêt parce qu'il avait trop plu et que quand il pleut trop, en dessous de la voirie, c'est de la boue et on ne sait pas excaver de la boue. Ça, c'est pas possible. Et là, on est dans un marécage. Il aurait potentiellement fortement plu. Ça aurait été de toute façon impossible de faire le moindre travaux. Et donc, on aurait démarré un chantier qu'on aurait laissé à l'arrêt pendant 2 mois potentiellement. Ça n'aurait aucun sens, y compris pour les riverains, ils ne comprendraient pas ce qu'on est en train de faire. Donc au moins, il fallait avoir quelque chose de clair en disant on postpose pour avoir une meilleure période et pouvoir essayer d'avoir un chantier qui se fait en une seule fois de manière cohérente. Donc la rue a été coupée à cet endroit-là pour répartir les flux de circulation. Donc ce sont des calculs qui ont été faits pour voir d'où venaient les flux de circulation et d'essayer que les deux parties aient une répartition équitable, mais aussi parce qu'on a eu une demande du restaurant où en fait une grosse partie de sa clientèle vint plus de Watermael vers le restaurant que d'Odorgame vers le restaurant. Et donc il a demandé de mettre la coupure, on a été vérifié avec lui l'endroit de la coupure pour que les gens puissent accéder plus facilement à son parking que si on coupait à un autre endroit. On peut bien comprendre que le restaurant du quartier, qui est un peu le seul commerce du quartier qui subit ce type de nuisance depuis maintenant longtemps, on puisse quand même essayer de voir avec lui comment réduire au maximum les nuisances, même si on ne sait pas les éteindre totalement. Alors à ce jour, on n'a pas reçu, nous, à la commune, de demande d'indemnisation particulière. La région, je sais, met en place des aides pour les commerçants, et je sais que le commerce, le restaurant, a fait une demande d'indemnisation et l'a reçue. Donc lui a eu une indemnisation pour ce chantier. Les travaux reprendront le 4 mars prochain. Une réunion d'information, d'ailleurs, pour les riverains est prévue ce 19 février, ici, à la commune, pour expliquer l'organisation de ce chantier. Les invitations ont été distribuées cette semaine. Je ne sais pas si tout le monde l'a déjà reçu, mais voilà. Et les habitants de Watermael-Boisfort vont recevoir les invitations la semaine qui vient par Watermael-Boisfort, qui les invite à venir à la réunion organisée par Odorgame. Eux n'organiseront pas leur réunion, mais ils invitent à venir chez nous. Voilà. Enfin, bien évidemment, si je peux comprendre qu'une décision de fermer une rue, ça fasse l'objet de critiques. On ne peut pas toujours être d'accord sur tout. On peut penser que nous, on fait ça dans un petit coin sans penser à ce qui se passe réellement sur un terrain.
je ne peux malheureusement pas tolérer que des membres de mon service soient insultés ou intimidés par des personnes qui n'acceptent pas la situation actuelle. Et malheureusement, ça a été le cas sur ce chantier. Il y a des affiches qui ont été apposées sur les blocs de béton visant directement le chef de mon service. Ça ne peut pas se produire. Je peux être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je peux être d'accord qu'on coupe une circulation et que ça dérange les personnes. La déviation, c'est l'avenue Miquil, c'est l'avenue de Beaulieu. On n'est pas sur une déviation de 5 km. Hein. On est sur une déviation assez locale, même par les petites rues poissons. Je peux comprendre tout ça, je peux comprendre l'énervement, je prends mon temps d'expliquer à chaque fois aux riverains qui m'appellent que oui, on fait des décisions, parfois c'est les moins mauvaises possibles, mais il faut parfois les prendre, mais ça, je ne peux pas les accepter. Et donc, je profite de votre question pour remercier les membres de mon service qui, depuis de nombreux mois, restent disponibles pour gérer ce chantier, gérer ces aléas, mais aussi pour répondre aux remarques, aux interrogations et aux critiques de la part de répondre par mail et par téléphone. Je demanderai qu'au moins les gens, quand ils s'adressent à eux, soient également respectueux. J'espère avoir pu répondre à vos questions. Merci. Madame Alskalk. Oui, monsieur Léchevin. Bien sûr, vous avez répondu tout à fait complètement à ma question. Et je voulais en effet souligner le fait que vous êtes toujours transparent, que vous avez toujours communiqué par rapport à ces travaux et que vous répondez aux gens quand ils posent la question. Et surtout, comme vous avez un peu lié les deux questions, j'aimerais insister sur le fait que nous n'avons rien à voir avec le manque de respect qui a sans doute été... Et voilà, et on a tout le respect pour le personnel communal, bien entendu, qui fait ce qu'il peut et qui n'est évidemment pas responsable de ce qui se passe dans un chantier d'une telle ampleur. Je vous remercie. Je ne vous visais pas vous, hein, mais j'en profitais de ma réponse voilà, pour faire passer le message à d'autres personnes. Voilà, merci. On est parfois aussi de devoir gérer des décisions qui sont prises en dehors et qui ont des conséquences. Mais c'est aussi notre rôle. On ne fait pas que planter des chrysanthèmes. Le point suivant, c'est une question orale de Madame Alskalk concernant l'indexation des charges d'urbanisme à Bruxelles. Madame Alskalk, vous avez la parole. Je suis désolée, c'est encore moi. Mais voilà. Donc, Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, ça ne change pas, ça. Un récent article du journal L'Écho du 20 janvier annonçait l'indexation prochaine des charges d'urbanisme en région bruxelloise et leur nouvelle affectation. L'article indiquait également que dans les 10 communes où il y a moins de 15% de logements sociaux et où le revenu imposable médian est supérieur à la moyenne régionale, communes parmi lesquelles Auderghem était expressément citée, les charges d'urbanisme seraient désormais obligatoirement affectées à du logement public. Autre élément mentionné dans l'article, l'accord politique prévoirait aussi d'imposer une part de 25% de logements sociaux dans chaque projet résidentiel au-delà de 3 500 m², soit l'équivalent d'un immeuble de 35 appartements. Alors, nos questions sont les suivantes. Quel est le montant actuellement perçu en charge d'urbanisme à Auderghem et quelle est l'affectation de ce revenu? Quelles seraient les conséquences à Auderghem si le nouveau texte entrait en vigueur? Les communes visées ont-elles déjà été informées de cette réforme? Les deux partis qui forment la majorité communale, c'est-à-dire Défi et Écolo, ont-ils effectivement voté pour ce projet au niveau régional? Y a-t-il bel et bien un accord politique qui lui aussi alors aurait été approuvé par les deux partis de la majorité communale pour l'imposition de 25% de logements sociaux dans les nouveaux projets de plus de 3 500 m². Je précise, j'en profite pour le dire tout de suite, nous ne sommes pas opposés à l'installation de logements sociaux dans la commune. Simplement, on réfléchit aux conséquences que ça peut avoir sur les projets immobiliers, d'où la question suivante. Y a-t-il actuellement à Auderghem des projets de cette taille qui pourraient être concernés par une telle mesure? Et ne doit-on pas craindre que de nombreux promoteurs de projets immobiliers en préparation à Auderghem ne renoncent à leur plan? Je vous remercie. Merci. Monsieur Léchevin, Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Mesdames les conseillères communales, chers collègues, bien, merci pour vos questions. Vos questions sont certes intéressantes, mais beaucoup d'entre elles devraient être posées via vos relais au Parlement bruxellois, puisque c'est une réglementation bruxelloise. Notre collège n'y a pas participé à ces discussions. Néanmoins, via Brulocalis, toutes les communes sont pour le moment consultées à propos de ce projet de texte. C'est un projet de texte. Nous sommes en train d'établir la liste de nos remarques et ces remarques sont partagées entre toutes les communes. Je vais essayer néanmoins de répondre à vos questions qui nous concernent directement. Vous nous demandez quel est le montant actuellement perçu en charge d'urbanisme à Auderghem et quelle est l'affectation de ce revenu.
Votre question n'est pas très précise, mais on va quand même tenter d'y répondre. La plupart des projets donnant lieu à charge d'urbanisme sont traités par la région. C'est la région qui perçoit les charges d'urbanisme. Les montants perçus sont ceux que la région nous a rétrocédés. Pour réaliser des propositions que le collège a transmises à la région. En 2024 et 2023, à l'heure actuelle, aucune charge d'urbanisme n'a été rétrocédée à la commune d'Auderghem. En 2022, et vous aurez le chiffre exact à quelques dizaines d'euros près, c'est 200 000 euros qui ont été rétrocédés et qui ont été affectés à la réfection des Venelles dans le quartier du Transvaal et à un équipement collectif au boulevard du Triomphe. En 2021, c'est 100 000 euros qui a été affecté à la rénovation des trottoirs avenue de Mai. Vous conviendrez avec moi et vous constaterez comme moi que ces faibles montants ne permettent pas de construire beaucoup de logements sociaux. Or, effectivement, plusieurs propriétaires ou promoteurs envisagent de rénover ou de développer des projets à Auderghem pour des immeubles qui totalisent plus de 3500 m². À ce jour, aucun des contacts que j'ai régulièrement avec ces personnes qui sont en train de réfléchir à des projets, aucun de ces contacts ne m'a fait part d'une crainte. Mais je ne doute pas qu'ils vont faire connaître, s'ils ont des craintes, leur opinion, non pas chez moi, mais plutôt chez ceux qui développent cette réglementation, donc auprès des décideurs régionaux. Le projet en lui-même qu'on a parcouru soulève quand même de nombreuses questions pratiques qui sont en train de rentrer auprès de Brulocalis. Les choses ne sont pas si simples. Je rappellerai que la réglementation prévoyait déjà que les charges d'urbanisme étaient prioritairement affectées à des logements conventionnés ou des logements sociaux et que ça ne s'est pas beaucoup réalisé, non pas spécifiquement sur Auderghem, mais dans toute la région bruxelloise. Aujourd'hui, il est vraiment trop tôt, parce que le texte n'est pas fini, pour évaluer toutes les conséquences de cela. Et ça ne me paraît pas vraiment approprié de se perdre en conjectures par rapport à ce qui pourrait, peut-être un jour, après réexamen et examen de remarques, aboutir à une réglementation. Voilà, je pense que... De toute manière, je vous ferai remarquer aussi, et je ne doute pas que vous le savez, que les propriétaires et les promoteurs, ils évaluent toujours l'intérêt d'une opération immobilière. Ils ne se lancent pas là-dedans à l'aveuglette. Et les surcoûts éventuellement imposés par des mesures qui seraient envisagées vont forcément être répercutés sur quelqu'un. Et sur qui voulez-vous que ces surcoûts soient répercutés ? Sur les logements qui seraient développés dans le projet, qui seraient chargés avec l'éventuelle construction de logements sociaux. Donc, ils seront répercutés pour autant qu'il se trouve des acquéreurs prêts à payer le prix des logements ainsi mis sur le marché. Sans quoi, ou des locataires qui sont prêts à payer les loyers qui y sont liés. Vous savez que les loyers augmentent aussi. Donc, vraiment, je crois que on sait qu'il y a des besoins en logements sociaux. Il n'y a pas d'opposition à ce qu'on construise des logements sociaux à des endroits appropriés. Il y a d'ailleurs des logements sociaux à Auderghem à rénover et pour lesquels on a délivré un permis il y a déjà plusieurs années dans le quartier du Transvaal et où la rénovation ne démarre pas, mais j'espère qu'elle va démarrer bientôt. Mais voilà, il faut bien mesurer tout ça et outre les remarques pratiques que l'on va faire, je suppose qu'il va y avoir une large concertation à propos de cela et que le projet va encore évoluer. Merci, Mme Ascanc. Merci beaucoup, Monsieur Leschevin. Simplement, si nous avons des relais au Parlement bruxellois, vous conviendrez que vous en avez aussi au niveau du gouvernement, mais c'est en toute amitié. Maintenant, je pense que c'est
Une question de Madame Henrard concernant l'incendie dans l'ancien consulat de Chine. Madame Henrard, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Madame la Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Échevins, chers collègues, nous interrogions en septembre dernier quant à la situation du squat situé au 400 boulevard du Souverain. Vous nous aviez répondu à l'époque que l'installation des ressortissants moldaves au sein de ce bâtiment faisait l'objet d'une analyse régulière, notamment par vos services, qui n'avait alors pas encore relevé de problèmes probants de sécurité ou d'insalubrité. La situation ayant manifestement évolué défavorablement au cours des derniers mois, Madame la Bourgmestre, vous avez ensuite pris un arrêté le 4 décembre dernier, actant désormais de l'insalubrité et de la dangerosité des lieux. Il ressort des informations relayées dans la presse que les occupants avaient reçu un délai d'un mois pour quitter les lieux, mais qu'ils avaient toutefois refusé toutes les solutions proposées alors. Leur expulsion était donc programmée au mois de janvier 2024. Entre-temps, le bâtiment, comme tout le monde le sait, a été touché par un incendie le 29 décembre dernier, sans qu'il y ait malheureusement de victimes à déplorer. Suite à cela, l'expulsion des occupants a été avancée de quelques jours et il est signalé que ceux-ci ont quitté les lieux le 5 janvier dernier. À ce sujet, nos questions sont les suivantes. Entre la prise de l'arrêté pour insalubrité et l'expulsion initialement prévue, un délai donc d'un peu plus d'un mois était prévu. Comment est-ce que ce délai a-t-il été fixé? Et est-ce qu'il a été envisagé à un moment de le réduire au vu de l'insécurité manifeste du bâtiment et de l'absence de collaboration des personnes sur place évoquées plus haut dans mes propos? Quel suivi de la situation sur place a été mis en œuvre à la suite de l'arrêté avant, mais également du coup après l'incendie? Savons-nous actuellement si les anciens occupants se trouvent toujours sur les territoires de la commune? Alors, je ne parle évidemment pas ici de traçage des gens, mais c'est plutôt d'éventuelles informations qui ont été relayées par des citoyens, des associations, la police par exemple. Et enfin, qu'en est-il aujourd'hui de l'accès à ce bâtiment et de vos derniers contacts avec les autorités chinoises à ce sujet? Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame la Bourgmestre, Madame De Vos. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Conseillère, pour votre question qui me permet de faire le point, je suppose, de façon définitive sur ce dossier. Alors, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais je tiens quand même à rappeler que dès que j'ai eu l'information de l'existence de ce squat, par l'intermédiaire donc de la police, à savoir en mars 2023, j'ai immédiatement pris contact avec les propriétaires, à savoir la République populaire de Chine, afin à la fois de les avertir eux-mêmes de la situation, puisque ce bâtiment était à l'abandon, donc ils n'étaient pas forcément au courant que leur bâtiment était squatté, mais également leur indiquer les moyens d'action légaux en leur possession pour faire stopper rapidement cette occupation illégale que nous connaissons malheureusement régulièrement et qui, dans tous les autres cas, se passe effectivement assez rapidement quand on respecte nos législations. Alors, comme vous le savez, jusqu'au dernier jour de cette affaire, la Chine a refusé obstinément d'entreprendre la moindre action en ce dossier, si ce n'est, bémol, d'avoir essayé la saisine du procureur du roi, mais qui n'a pas donné le moindre résultat. Ça aurait permis une solution beaucoup plus rapide, ça aurait évité la détérioration que nous avons connue les dernières semaines qui ont précédé l'évacuation de l'immeuble. Voilà pour l'historique. Alors, dès lors que la Chine se refusait d'agir, comme cela fut fait dès l'origine de ce dossier, les services de police ont contrôlé très régulièrement le bâtiment. Ainsi, entre septembre 2023, donc date de votre précédente question, et début novembre 2023, différentes interventions policières ont eu lieu, dont certaines ayant conduit à la rédaction de procès-verbaux judiciaires et qui m'ont rapporté un nombre incessant d'occupants qui rejoignaient cet immeuble. J'ai alors pris la décision d'organiser une visite sur place avec les services techniques de la commune et le SIAMU. Donc, il a fallu déjà une date pour le SIAMU. Ça a été réalisé en date du 8 novembre. Les deux rapports, donc à la fois de la commune, des services techniques communaux et du SIAMU, ont conclu effectivement à une dangerosité, à une insalubrité. Mais il faut quand même aussi vous dire que le rapport du SIAMU m'a été adressé seulement trois semaines après la visite. Alors, présence de réchaud et autres chauffages d'appoint dans l'immeuble, branchés sur des multiprises, cuisson qui jusqu'alors était un peu plus sur des barbecues au jardin qui avait été rentré, donc un nombre de plus en plus important de personnes, etc.
vous comprendrez qu'effectivement la situation s'était développée négativement, donc détériorée très très fort. À lecture de ces rapports, j'ai donc décidé de prendre un arrêté déclarant l'immeuble dangereux et insalubre. C'était ce qui était véritablement la conclusion des rapports des deux services concernés, et d'en prévoir donc l'évacuation dans les premiers jours de janvier. Alors d'abord, on a traduit l'arrêté en langue romano-moldave, parce qu'il fallait évidemment pas, comme on aurait pu le faire, taper l'arrêté sur le mur et ne rien expliquer à personne. Donc on a pris le temps de le traduire correctement, d'expliquer la situation aux personnes, et ça met déjà quelques jours, ça explique les premiers jours du délai. Ce délai laissé, vous vouliez savoir, à peine plus long, je le souligne quand même, que le temps que les pompiers ont mis pour me rendre le leur, a été accordé afin de maximiser les chances pour les occupants de retrouver des solutions de relogement. Et je voudrais vraiment préciser que dès la date de la visite à laquelle j'étais présente, de l'immeuble, donc par le CIAMU et les services techniques, on a véritablement multiplié les démarches pour trouver des solutions de relogement. Elles ont toutes été refusées. Les occupants souhaitaient absolument rester tous ensemble. En tout cas, c'est la raison qu'ils évoquaient. C'est une autre raison, mais ils ne voulaient pas être séparés. Donc on a trouvé à de nombreuses reprises des places à droite, des places à gauche, pour quelques personnes par-ci, pour un peu plus de personnes par-là, mais si on les refuse, nous on ne sait pas les forcer à y aller, bien entendu. Et donc, ils n'ont pas voulu y aller. Dès l'arrêté pris, des passages ont eu lieu un jour sur deux afin de s'enquérir de l'évolution de la situation. En outre, j'ai appris début décembre par la région que le centre, qui était géré par Bruxelles au 172 boulevard du Triomphe, qu'on appelait la maison des Ukrainiens, n'était plus dédié aux Ukrainiens. Et donc, j'ai demandé à la région s'il n'y avait pas une possibilité pour y accueillir une partie donc, des squatteurs, tout ou partie des squatteurs, parce qu'il y a même une centaine de places là-dedans. Mais il m'a répondu, lors d'une réunion le 7 décembre, que les places étaient déjà toutes attribuées à des demandeurs d'asile, que donc ce n'était pas possible. Voilà, on a essayé. Les services régionaux, en particulier Bruxelles, ont toutefois voulu effectuer un screening, donc une véritable. Enfin, ils sont passés au boulevard du Souverain, ils ont vraiment vu chaque personne, contrôlé les identités, etc. Donc ce screening a été réalisé les 19 et 21 décembre, mais il n'y a pas eu de suite concrète, donc on n'a pas eu de solution de ce niveau-là non plus. Mais l'incendie, toutes vos informations de la question sont correctes, a rendu évidemment l'évacuation nécessaire beaucoup plus rapidement, dès que possible, bien sûr. Il n'était pas question de prendre le risque d'un autre incendie. Et là, je ne vous cache pas que j'étais vraiment furieuse, parce qu'on en arrivait à une situation complètement catastrophique, alors que si, depuis le début, les Chinois avaient respecté nos législations, on n'en serait jamais arrivé là. Et donc, j'étais véritablement plus... j'étais avec monsieur Lefebvre en ligne en permanence parce que j'avais essayé de prendre quelques jours de congé. Bref, le jour de l'incendie, les services de police sont intervenus, épaulés par les services communaux et le CPAS, et tout s'est passé dans le calme, de nombreux squatteurs étant déjà partis préalablement et la plupart des autres ayant chargé leur véhicule pour partir le jour même. Donc il n'y a pas eu de menaces ni de violence, ni verbale, ni physique, ni rien du tout. Tout s'est passé extrêmement bien. Alors, à dater de l'incendie, du jour de l'incendie jusqu'au jour de l'expulsion, donc de l'évacuation, les contacts furent quotidiens afin donc d'organiser cette évacuation. Les services de police ont dans la même période effectué plusieurs passages par jour afin de garantir la sécurité des abords directs du squat et des voisins qui se sentaient menacés, en tout cas en insécurité par la présence des squatteurs. J'en profite aussi ici, comme l'a fait tout à l'heure M. Pilois, pour remercier vraiment tout spécialement les services de police et communaux qui ont, comme toujours, agi avec un grand professionnalisme et ont permis que tout cela se passe sans heurts, comme je viens de le dire. Alors, pour continuer à répondre à vos questions, je ne sais pas précisément ce que sont devenues toutes ces personnes. Selon les informations à mon possession, ils ont bel et bien quitté le territoire communal. En effet, suite à une enquête de voisinage qui a été effectuée par les services de police du 15 au 25 janvier, il apparaît qu'aucun squatteur n'est revenu sur les lieux. Il semblerait qu'une partie se soit rendue dans une autre commune, qu'une autre ait rejoint un squat à Roubaix, mais voilà, c'est du conditionnel. En tout cas, entre le 5 janvier et le 5 février, les patrouilles de la police ne sont plus tombées une seule fois sur les anciens squatteurs du 400 boulevard du Souverain, en tout cas sur notre zone. Donc il est extrêmement peu probable qu'ils soient encore sur notre territoire.
Enfin, concernant l'accès aux bâtiments, comme cela avait été dit très clairement et répété à de multiples reprises aux autorités chinoises, il leur revenait dès l'évacuation exécutée à mettre tout en œuvre pour empêcher une nouvelle occupation illégale de leur propriété, parce que sinon on était reparti pour un tour, hein, c'est ce qu'on leur a expliqué, ça ils ont compris. Parce que s'il y a évidemment une occupation par un gardien, par n'importe qui, la police peut intervenir directement. C'est lorsque l'immeuble est abandonné qu'effectivement on ne peut pas faire évacuer les personnes comme cela. Donc ça ils ont compris, et le jour de l'évacuation, ils étaient bien présents avec une série de gardiens qui sont réellement là en permanence, visiblement. Le bâtiment est contrôlé, occupé en permanence par plusieurs gardiens. Par ailleurs, dans une lettre, j'ai presque fini, du 29 décembre, l'ambassade de Chine s'était engagée à installer un système d'alarme permettant de détecter donc toute intrusion, mais aussi de renforcer les portes, les fenêtres ou encore de contrôler les installations de gaz, d'électricité, etc. En tout cas, toute nouvelle occupation légale, cette fois, ne pourra se faire, étant donné l'arrêté du 4 décembre, que moyennement un avis conforme du CIAMU. Voilà, je m'arrête ici. Je vous prie de m'excuser pour la longueur de cette réponse, mais c'est un dossier qui a duré extrêmement longtemps et les émotions qu'il a pu procurer à raison chez plusieurs de nos concitoyens nécessitaient, je pense, une réponse circonstanciée. Je vous remercie de l'avoir posée. Merci, Madame Aurard. Oui, merci. Elle est tellement complète que je n'ai pas de questions complémentaires. Voilà, eh bien, je pense que ceci clôture notre séance publique. Je remercie encore de leur présence, messieurs Mimouni et monsieur Chakir, d'avoir assisté à notre conseil. On souhaite aussi un bon retour au pays et de bons échanges encore fructueux avec la commune d'Auderghem. Merci et bonne soirée.